imurenge.com. Nyuma yaho inama yahuzaga amoko yo muri Sud Kivu cyane cyane amoko agize akarere k'imisozi miremire ya Minembwe ubu nyine ashamiranye mu ntambara z'amoko ikibazo rero kikaba cyarahagurukije abayobozi bo ku rwego rwo hejuru rw'igihugu biganjemo cyane cyane abayobozi b'intara ya Sud Kivu barimo na nyakubahwa guverineri w'intara hatse harimo n'abadepite bavuye ku rwego rw'igihugu ikicasa barimo Moise Nyarugabo abangaba rero bakaba baricaye bakaganira kugira ngo barebere hamwe umuti urambye ku kibazo cy'intambara zihuza amoko yo mu misozi miremire. imurenge.com. Nyuma y'ibiganiro byamaze iminsi ine mu mujyi wa Uvira, Moise Nyarugabo aravuga neza yeruye ko igiti twese duhagazeho tutagomba kucitemera. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru nyuma y'ibi biganiro byabereye ibuvira. Ce groupe armé étranger avec lequel vous vous associez, vous ne le connaissez pas encore, vous ne connaissez pas leur agenda, vous ne connaissez pas leur programme. C'est quand ils auront pris des espaces, qu'ils les auront contrôlés, que vous verrez leurs couleurs, que vous verrez leurs objectifs. J'ai dit à des jeunes Maïmaï Bafouliou de Minembwe, je leur ai dit, avec lesquels je parlais, je leur ai dit, les groupes Maïmaï, les groupes armés étrangers, Red Tabara, FNL et autres, avec lesquels vous travaillez, avec lesquels vous vous associez pour prendre Minembwe, c'est seulement le jour où, s'ils prenaient Minembwe un jour, qu'ils contrôlent la piste là, ce jour-là, vous saurez qui sont-ils, vous saurez pourquoi ils sont là. Ce n'est pas certainement pour vous. Donc, je crois qu'on doit réfléchir beaucoup avant de poser certains actes. Donc, je demande à ces groupes armés locaux, mais aussi aux populations, de se désolidariser de ces groupes armés étrangers. Et la dernière chose, disons, dans ce deuxième point, non seulement ils doivent se désolidariser des groupes armés étrangers, mais aussi continuer avec le dialogue. Cette tendance de toujours aller par vengeance contre vengeance, ça va aider personne, ça va régler aucun problème. Parce que la vengeance appelle vengeance. On doit arrêter avec la globalisation. Aujourd'hui, c'est un Munyamulenge qui a tué un Munyindu. C'est le cas d'ailleurs qui est beaucoup cité. Mais hier, c'était des Babembe qui ont tué les Banyamulenge. Avant-hier, c'était un Mufuliru qui a tué un Munyamulenge. Et donc, il faut qu'on considère que la faute est individuelle. Le crime est individuel. La responsabilité est individuelle. Ce n'est pas parce qu'un Munyamulenge a commis un crime que tous les Banyamulenge doivent payer. Et ceci est valable pour les Babembe, ceci est valable pour le Bafuliru, ceci est valable pour les Banyindu. Il n'y a jamais eu de référendum chez les Banyamulenge pour qu'on fasse du mal aux Banyindu. Il n'y a jamais eu de référendum chez les Babembe pour qu'on fasse du mal aux Banyamulenge. Il n'y a jamais eu de référendum chez les Bafuliru pour qu'on fasse du mal aux Banyamulenge ou aux Babembe ou aux Banyindu. Donc, si des individus posent des actes, même des crimes, il faut les poursuivre, il faut les leur faire payer eux-mêmes, pas toute la communauté. On détruit la base, on détruit le fondement de la vie commune. On est en train de détruire, de scier la branche sur laquelle on est tous assis. imurenge.com.